Evel Dao, c'est Rouvezier et Tendez Oreilles. Jodla, nous pays la rive d'Espagne. C'est Chimenef côté site, monsieur Sirajou. Chimenef. Nous, donc, côté en restaurant, il a crié chez Christian, c'est bien ça. Et nous avons changé des petits mots et quatre paroles avec propriétaire à restaurant là. Alors, Sirajou, bien bonjour. Bonjour, ouais, ça caille, nous allons bien, nous allons y aller. Hein. Alors, qui nous veut là? Eh bien, on va bien, on va y aller. Alors, nous venons rendre vous une petite visite parce que depuis quelques temps, nous avons parlé des espaces, des restaurants, avec beaucoup d'intérêt. Alors, expliquez-nous en deux mots, qui changement qui fait depuis décès à Christiane à Jordi Jou? Mais pas ni grand changement, hein, c'est-à-dire que c'était restaurant à Christiane. Et c'était c'était madame moi. Il décidait ni 3 ans. Et moi j'ai décidé de réouvrir le restaurant là, puisqu'on a pensé que fermer ça était fond vide. Et comme nous étions déjà local là, donc on profitait pour moi améliorer les choses et réouvrir. Alors maintenant qu'on a amélioré les choses qu'on a dit et réouvert, qui gens ou qu'a trouvé clientèle là qui a réagi par rapport à ce changement là? Alors moi rapporte un autre business, c'est-à-dire on rapporte en restauration créole carrément. En temps longtemps, monde qui a fait manger, moi après faire manger avec des monde qui tenaient restaurant, donc on portait plus là ça. Et nous on fait rien qui repas créole, nous pas fait sous-gelé, nous avons fait local, carrément. Ces précisions-là, sans te souhaiter que vous portez, Zoka fait rien qui produit local et produit frais. Produit frais, produit local, produit frais, poisson frais, nous pas café congélation. Voilà. D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que vous considérez que la clientèle-là satisfait? Je pense que depuis, parce qu'elle est satisfait par rapport à mon qui a venu manger, mon qui a adhéré à un changement-là. Et très souvent, ils vont venir demander manger sous le table. Donc, ça va prouver qu'ils sont présents. Alors, tout le monde, aujourd'hui, qui a fait attention à porte-monnaie à eux. Alors, pour manger côté à aussi, il faut que mettre un grand billet 100 ou bien, ben non, l'idée des prix à peu près ou approximativement? Non, on travaille avec des gens, des paysans, des gens qui ont produit, des gens qui ont agriculteur, des gens qui ont fait la pêche. Il y a quand même mon prix pour permettre moi à faire calcul à prix de revient en moins pour moi pour permettre à ces gens-là de trouver portefeuille à yo. Donc en deux mots, côté A ou pas qu'à cocher moun? Non, pas cocher moun. On n'a pas pensé qu'on va cocher moun puisque on va les mêmes mouns qui arrivent. Si on arrive, c'est qu'ils sont satisfaits. Donc ça va permettre moi à penser qu'on n'est pas cher du tout. On va avoir un produit de qualité, on va avoir un local, quand on veut local, parce que de plus en plus, les gens qui manger local. On a évité de manger trop de produits importés. Parce que nous, le monde ici qui a fait produits cultivés à Casayo. Hein. Alors, Sirajou, moi, arrivé ici, pas ni longtemps, on bitin qui marque moi, dit dans le pays Guadeloupe, nous qui Guadeloupéens, nous n'avons pas qu'être fruits à Kazan, nous, on pas qu'être légumes. Et chaque fois, on est rentré en côté, à nos restaurants, parce qu'on sont fin culinaire, on aime la bonne cuisine, donc on a mangé dehors. Et chaque fois, on rentre dans un restaurant en Guadeloupe, on a mangé, par exemple, un petit ponche. Et il y a proposé moins ou un sec citron ou alors on miel citron
ou un gingembre. Est-ce qu'à Kaza, c'est même bitin là? Et Kaoka, pensez de ça? Parce qu'à Kaza, nous n'avons pas de chiffre, nous ni. Comment nous peut limiter nous à trois bitins là ça? C'est-à-dire que mon apprenant, il a trouvé un système de rapidité. Il n'y a pas les moyens, le temps de chercher produits pour faire ponche. Alors, il y a plus vite, il y a acheter produits déjà tout préparé, puis il y a vendre. Mais moi, j'ai fait Pruno, pas local. Moi, j'ai fait Pruno, parce que Pruno a un bon goût aussi. Ça n'est pas dit qu'il n'y a pas de produits à l'extérieur. Hein. Un café ananas, un café kenette, un café tout ça. Chaque fois, on fruit qui sort en saison, nous utiliser pour permettre à faire ponche, pour permettre à faire d'autres butins aussi. D'accord. Confiture d'autres butins. Ouais. Eh bien, c'était deux petits mots et quatre paroles avec Monsieur Sirajou dans un restaurant que vous criez chez Christian. En cas quoi que chimé là, ça c'est bout à chimé, chimé neuf, si on pas trompé moi. Fin à chimé neuf, avant de monter sur la voûte, c'est si main droite à l'eau qu'il y a la pointe. Eh bien, merci beaucoup. Eve Dao, c'est Rouvezier et Tonnes Oreilles. À bientôt. Au revoir. Je vais présenter les autres, un membre fondateur à l'association 50-50. C'est monsieur Christian Morvan. Alors, Christian, qui nouvelle? Eh bien, bonsoir Dao. Eh bien, Marc Sakai nous a quitté. On est bien content qu'on vienne dans la cour. La cour l'intendance. Il ne faut pas oublier que la cour là, non, c'est la cour l'intendance. La cour, même si 50 là, c'est la 50 là, qui a 50 là, mais le côté, c'est la cour l'intendance. C'est là. À jouer, c'est là moi, parce que tout le mouvement, moi, là où on monte l'association là, en train de gimbo, en venant côté site, en monté 50-50. Moi, venant au Chiré, nous monter 50-50. Côté site, c'est moi qui récupère lié là ça. Vous comprenez? En m'a dit, monsieur le baron, un petit local du Bamay. Alors, j'ai un petit jour, en voulant que quand même, que le monde sache que, pas d'avoir à lieu là, notre existence en monde, qui fait que ce lieu-là, ça l'a toujours. Vous comprenez? Et les gens poursuivent le travail là avec moi et avec nous continuer le travail là. Parlez-nous des manifestations là qu'elles ont ni aujourd'hui. Dis-nous qui gens, pour qui ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont représenté pour les autres. Ben, aujourd'hui, simplement nous mettre en place un fort culinaire. Donc, déjà pour permettre que les gens savent que nous là, pour faire entrer à saison nous et permettre moun de venir dans la coula en la coula intendance pour moun savent que la coula a fonctionné 50 là 50 là qu'a travaille et quand t'es qu'a dit aller là nous qu'a travaille ba Pep Guadeloupe nous qu'a travaille ba quartier en nous en premièrement donc voilà nous qu'a mettre en place différents manifestations donc ça qui fait ça commencé avec fort là mais après ça qui continue si toute l'année là parce que nous avons fêté 40 ans nous, en 2024. Donc, c'est une grosse année pour nous. Donc, nous ne pouvons pas dire tout ça nous mettre en place. Mais en tout cas, voilà, nous savons que ni des bitins qui sont faits, et 50 là qui fait des bitins, qui mettent en place un certain nombre de manifestations pour Pep Guadeloupe.